Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, bien-aimés en Christ, bon après-midi à tous. Je vous souhaite tous la bienvenue dans le nom de Jésus. Nous pouvons bénir et nous continuons bénir cet après-midi. Laisse-nous nous la voir ensemble, nous donne gloire à ce grand bon Dieu qui nous servit là. Notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous les louons toi et glorifions toi, exaltons toi. Nous élevons ton nom cet après-midi, Père, dans le nom de Jésus. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous vous trouvons, Seigneur, ma merveille, la gloire de Dieu pour manifester, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions pour ce moment qui nous fait passer ensemble dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je t'acclame les Seigneurs, pour mon frère et soeur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu, nous saluons tout dans le nom de Jésus. Amen. Tu viens d'une bonne place. Viens avec ça qui vient qu'à côté de vous là, Jelly, tu viens d'une bonne place. Jelly, relax. Relax parce que Jésus l'a même. Et il a envie de faire toi du bien. Jelly, tu es qui vient choisir toi. Alléluia. Je connais la Bible, j'ai lu dans Ephésiens 1, le verset 6. Il dit, bon Dieu, fin prédestine nous à la louange et, dans, et pour nous marcher dans la gloire. Comment parmi nous nous croyons là-dedans? Je connais quand nous louons bon Dieu, ben prison est cassée. Amen. Quand nous louons bon Dieu, amen, l'ennemi est terrassé. La Bible dit à nous, David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Nous pouvons louer bon Dieu ensemble, nous disons, signe, prodige, miracle, sans même qu'il nous pertane. Amen. Parce que Jésus est en nous. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, Jésus. Alléluia, laisse-nous taper nous la main ensemble. Yeah.
tous pour de la vie. Check le voisin. Préparé pour de la vie. Pas grand qui tous pour de la vie. Bon Dieu fin préparé pour de la vie. Ban grand qui sauce pour te la vie. Alléluia, laisse-moi acclamer nous grand bon Dieu. Alléluia, il mérite de nous la gloire. Alléluia, toute l'adoration. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Gloire à Jésus, alléluia. Et ce soir, nous proclamer que nous Dieu est puissant. Alléluia, ce soir, nous chantons ensemble. Puissant est mon Dieu. Combien d'entre nous croient que nous bon Dieu est puissant, les autres la main? Nous bon Dieu lui tout puissant. Alléluia, nous pour trouver un signe, miracle, prodige. Alléluia. Ban grand qui se qui dit pas fin trouver. Pas fin monde dans lequel aucun homme bon Dieu préparé pour nous ça. Alléluia parce qu'il est tout puissant. Gloire à Jésus. Dans
Et ce soir, laisse-nous fermer les yeux. Nous élève-nous la main. Alléluia. Nous vous prenons ce cantique qui dit, comme une biche qui soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire vers toi. Alléluia. Et ce soir, nous désire, nous aspire ardemment, bonne quitteuse qui Dieu infini préparé pour chacun de nous. Amen. Nous besoin aspirer. Alléluia. Gloire à Jésus. Comme une biche. Comme une biche soupira près des eaux, mon âme soupira près toi. Toi seul est le désir de mon cœur et je veux toujours là. Toi seul est le désir.
aux enfants. Bonsoir à tous. Bonsoir, pasteur. Nous pourrons être debout. Amen. Gloire à Dieu. Je vous cite deux versets dans des psaumes différents
avec vous ce soir parce que je crois que Dieu nous comprend certains principes. Le psaume 68, donc, c'est un bon psaume qui finit moi énormément. Parmi les versets qui écrivent là-dedans, il y a bon Dieu fin ordonné qui te vive dans la fosse. Et puis donc, il y a un verset là-dedans, il y a bon Dieu tous les grands matins, les comble-toi avec toutes sortes de qualités bien faites. Mais c'est le premier verset donc et bien qui me pousse celui dans notre équerre. Dans notre traduction en français, il dit que Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Mais il n'est pas la meilleure traduction qui est capable d'exister lors de ce verset-là. Alors, l'étant nous lié comme ça dans la traduction seconde, il donne l'impression donc que Dieu se lève. Alors, quand bon Dieu lève, si envie lève, ne besoin faire l'élever. Mais je préfère donc la traduction en anglais, il y a « Let God arise ». Toi, te permets, bon Dieu, agir. Qui s'en a connu le sens tout là. Parce que la religion, pour te faire nous comprendre, nous visons à l'endroit spécial, un l'air spécial, on ne pas connaître quoi de spécial, la quitte foi, nous capables trop bon Dieu, agir. Mais la Bible montre moi donc n'importe quand, comme on exerce la foi, vous reconnaître sa présence, vous capable trop bon d'y agir. Donc le verset dit très très clairement, laisse bon Dieu agir. Ce qui fait moi comprendre quelque chose qui est vrai, il cache choquant mais livré. Moi, je suis capable d'empêcher bon Dieu agir. Il paraît que moi, je suis capable de permettre bon Dieu agir. Mais mon choisir pour permettre bon Dieu agir. Je te rappelle hier un outil. L'urgence chapitre 5, Jésus-Christ dira avec sa paralytique là, est-ce qu'il t'a envie d'être guéri? Qu'il peut redire, est-ce qu'il te les permet moi, guéris-toi? Est-ce qu'il te pour laisse-moi, guéris-toi? Bien sûr, le type fin dit donc, nous peinons personne, et nous fin trouver qu'il ne nous peine à droit, dit nous peinons personne, nous n'avons Jésus avec nous. Donc, si nous permet bon Dieu, lever ce soir. Lever veut dire il prend contrôle. Amen. Tout nous l'attention braquée sur sa présence. Nous vous trouvons ben l'ennemi dispersé, la fumée dissipée, nous vous trouvons bon Dieu manifesté. Vous voyez, maintenant, je ne crois pas comment certains qui allent très très loin dire je suis capable de l'échelle comme je suis capable de visiter l'échelle comme je suis capable de commander un ange apparaître avec moi comme je suis. Non, je ne pas trouver ça dans la parole de Dieu. Mais c'est que je fais que des autres là, t'as l'air là, n'importe quand, vous voyez, nous capables de permettre bon Dieu agir. Ce n'est pas nous qui bisons, comme tu dirais, attendre qu'il y ait bon Dieu pour décider. Non, vous voyez, non, bon Dieu est fini de décider. Est-ce que je peux commencer à vous dire là? Ce n'est pas bon Dieu qui peut encore décider, motiver, dire, c'est nous qui besoin décider. Ce puissant de résurrection est dans nos dispositions depuis que Jésus-Christ est ressuscité. Tout le monde dit, moi, je comprends. Donc, vous voyez, tous les grands matins, je fais moi un devoir, réjouis-moi, ranime-moi dans la présence de Dieu. Amen. Le deuxième verset qui me les cause avec vous, c'est le psaume 150. Quand là, il dit, la puissance de bon Dieu est éclatée, là, quand nous glorifions ce nom. Dire avec moi, éclatée. Ça n'a connu quand nous cause éclatée, nous pas cause un petit tapaz. Nous cause un gros tapaz. Je te connais longtemps, donc, à cela, je ne crois pas, je te servis même procédure. Quand on a éclaté, ben roche, je te mets dynamite, nous t'appelons ça lamino. Quand on a 36 ans, 37 ans, je te rappelle ça bien? Amen. Au fait, lamino veut dire un dynamite même. Alors donc, eh bien, me rappelle bien donc, eh bien, quand on a fini prépare, tout ce qu'ils ont besoin de préparer, fini de percer un trou dans sa roche là, fini de mettre sa lamino là-dedans, avant je t'allume lui. Avant de te faire éclater, de te faire tout du monde connaître pour un lamino là. N'est-ce pas vrai? Alors, un bouc donc, c'est un ce travail. Drôle ministère. Il y allait partout donc, un peu loin. Lamino. Nous t'y comptons, écoute ça nous. Amen. Et puis donc, après un moment donné, donc, nous tenons une grande tapage. Parce qu'il y a un éclatement.
sa lamine là, il éclate sa rose là. La puissance de Dieu, il éclate tout problème. Amen, 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 amen. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais la Bible dit nous donc, eh bien, la puissance de Dieu, il éclate. Dire avec moi, il éclate. Va bien lui manifester grandement. Il n'est pas manifesté sous silence. Il fait beaucoup de tapas. C'est là qu'on est donc. Dieu, il y a un Dieu qui fait tapas. Le jour de la Pentecôte, il y a tapas. Bon, pas qu'avec un chrétien qui croise la main, qui te dit qu'il peut passer. Non. Tu peux étonner. Si tu as un désir, il y a une vision dans le ciel. Premier quelque chose qui peut étonner toi, c'est que c'est joli tapas. Amen. Pas un cri de détresse, pas un cri de douleur, mais un joli tapas. Amen. Sois un ange, sois un saint, et tu es ici, toi, ajoute-toi là-dedans. Il y a une jolie quelque chose. Amen, 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 amen. Que ça n'a connu, c'est dans l'église, parmi le peuple de Dieu, c'est là qu'on besoin a vraiment une jolie tapas. Un cri de triomphe. L'atmosphère de joie. Vous l'aimez là, mes frères et mes sœurs? Alors, laisse bon Dieu agir. Laisse-le manifester. Laisse-le faire ce qu'il a envie de faire. Tu dis, mon Dieu, gloire à Dieu. Laisse-lui faire ce qu'il a envie de faire. Non. Alléluia.
manifester de la gloire. Manifester de la gloire. Manifester de la gloire. Plus fort que cela, nous chanter. Accueillir ce soir donc eh bien les pasteurs qui nous prennent plaisir pour une visite nous, pasteur Daram et compagnie, pasteur Lauriana donc l'Ichipula depuis hier, mais il y en a réunion donc eh bien des sœurs les jeudis, pasteur Gopol qui va au milieu de nous, vous n'êtes pas contre toi, tu es capable de me présenter toi, pasteur Oumesh, pasteur Anil, et bien sûr, tous les autres pasteurs donc de la surintendante de Beaubassin. Alléluia. Si mon pen cite le nom de quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il m'a fait ça par esprit.
Donc, eh bien, donc, c'est parce que mon père trouve ça. Voilà, gloire à Dieu. Tu dis, vous me dites gloire à Dieu? Alléluia. Je vous demande, ce soir, ouvrez la Bible dans le même passage. Maintenant, soyez ceux qui sont portabilitains et qui sont pas distraits. Vous êtes très, très, très sévères contre la distraction. Amen. Vous avez trouvé 1 Corinthiens chapitre 12. Non, mon Dieu, pas distrait, mais mon père Dieu n'a pas causé. Vous avez répondu amen quand vous posez une question. Vous finissez trouver 1 Corinthiens chapitre 12. Amen. Très bien. Vous demandez-nous, répétez cette prière avec moi. Seigneur mon Dieu, vous ouvrez-moi les cœurs pour me recevoir. La parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu qui a la puissance. Guéris-moi les corps et mon âme. Pour instruire moi, pour me dire bien. Te fin de moi. En les guerres vous comprend. Lisez vous trop clair. Oreilles vous tendez. Moi j'ai l'intelligence, la sagesse et le discernement. Mon mode de la grâce. Dans l'abondance. Dans la bonne santé et sous ta grande protection, nous pouvons faire progrès. Après progrès, nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons vivre très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de tout mon avis. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Frère Patrick, s'il est possible, donne-moi un petit peu de volume encore parce que moi, je peux faire un petit effort pour cause fort. Gloire à Dieu, s'il est possible. Donc, le verset qui nous lit, hein, excusez-moi, tannez-moi bien maintenant là. Malgré l'écho, la danse de pays, tannez-moi bien. Oh, habitant de répondre. Ok. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Dire avec moi, vous faites la guerre à l'ignorance. Vous ouvrez les guerres à la connaissance. Hier donc, eh bien, l'état nous commence nos conventions, nous finissons expliquer donc, eh bien, qui. Le mot don spirituel, il veut dire une capacité que Dieu nous donne pour nous capables d'opérer un miracle. Pour nous capables de trouver dans le monde invisible et spirituel. Pour nous capables de saisir un message de la part de Dieu. Et là, nous capables de donner ce message-là à quelqu'un qui vise ça là, la famille ou bien l'église qui vise ce message-là. Mais durant le message, nous venons expliquer qu'il y a un don spirituel, une capacité de Dieu, ne pas opérer automatiquement dans nous la vie. Parce que la Bible demande très clairement, aspirer aux dons spirituels. Donc si mon père a la soif pour ça, si mon père a l'aspiration pour ça, et même le mot en anglais, c'est un mot très, que beaucoup de gens ne comprennent pas, je comprends seulement dans le terme négatif. Il y a une misère convoite dans le don spirituel. Vous voyez? Quand les causes convoitent, les causes quelque chose qui dévore. Ou pas pour rester tranquille jusqu'à ce que vous désirez être satisfait. C'est ça le mot convoitise. Mais on ne connaît pas que quand tu es chrétien, il me demande don spirituel et puis je peins tout n'en y arriver. Je dis, n'oubliez même si pas de don spirituel existait. Il ne faudrait pas y ainsi, mes frères et mes sœurs. Vous voyez? Sans quoi nous pouvons vivre dans l'ignorance. Nous pour rater ben miracle de Dieu. Ne pas pour recevoir ce ben révélation. On prend les temps donc pour réfléchir avant de dire ça, parce qu'il y a quelque chose personnellement qui dit à moi, et très rarement, je dis ça à quelqu'un ou bien à l'église. Un parmi ben avertissement
plus sévère que bon Dieu ne lance moi. Maintenant, bon Dieu appelle moi sous plusieurs noms. Mon fils, ou bien donc quand il crie moi, quand il appelle moi par mon nom, là, je connais donc, eh bien, il est très fier, là. Quand il dit moi, mon fils, je connais donc, il a envie d'exprimer son amour vis-à-vis de moi. En tout temps, je suis fils de Dieu et vous êtes enfants de Dieu. Mais ça, c'est moi l'expérience. Il n'est pas obligé d'être où l'expérience. Mais quand il crie moi, Cyril, là, je connais donc, c'est un avertissement. Il y a moi, Cyril, le jour que la soif lui diminue, ou bien il n'est plus existé, tu ne viens qu'il mort. On gagne soc. Le jour tu arrêtes soif de moi, de ma puissance, de ce qui ton besoin est assoiffé, tu pour réguler et tu pour mort. On gagne soc. On dit, Seigneur, est-ce qu'il est déjà arrivé que mon n'ai plus soif de toi? La réponse là, donc, je vous garde pour moi-même, je ne vais pas vous dire tout ça. Là, on arrive à réaliser, quand quelque chose mort, qu'il y a un démon, qu'il y a des animaux, pas nécessairement un pied aussi, il sent l'odeur. Si tu es mort en Christ, tu peux faire une mauvaise odeur à toi. Et la mort là, elle commence à partir le moment où on n'est plus qu'un soif. Si mon vie reste vivant et porte bon fruit, mon besoin veiller à ce qui me la soif pour bon Dieu, il est tout le temps la même et il est tout le temps grandi. Vous vous retournez demain, pasteur? Non, dis-moi, vous retournez demain. Vous pouvez dire quelque chose donc pour se dire bien, bon frère, bon sœur. Vous ne pouvez pas comprendre un enfant de Dieu, surtout un serviteur de Dieu, qui arrête d'être assoiffé de Dieu. De plus en plus, n'en vit plus beaucoup. Nos envies montent plus haut. Nos envies font progrès. La confession qui nous fait, moi, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Qu'est-ce que tu veux dire là? La confession qui nous fait, on nous dit, moi, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Il ne faut pas seulement il y a une confession, il faut nous montrer qu'il nous envie à la gloire là. Amen. Les paroles, je soutiens une cantique manifestée de la gloire. Mon besoin désire cette gloire avec tout mon cœur. Ça fait moi penser à Samson aussi. Tant que sa consécration est intacte, les pas tu peux perdre aucun lion, aucun philistin. N'est-ce pas vrai? Aucun apôtre de la ville. 1000 philistins, ils peuvent battre un seul coup. Mais le moment de sa consécration n'est plus existé. Il est venu comme un simple homme. Nous ne sommes pas des simples hommes. Nous avons Dieu avec nous. Est-ce que vous avez compris moi là? Alors veille à votre consécration et à votre assoiffement pour le Seigneur. Amen. Maintenant, vous êtes une dièse pour venir demain. Je souhaitais donc eh bien, que malgré ce que je vous dis, je vous dis, moi, allez tout de même. Même les brosses, la tête, moi, pour aller, même moi. Amen. Vous voyez, quand un chrétien les plus concerné sur l'équipe, il gagne un bateau bien gagné, surtout un leader, mon père pour lui. Il est déjà d'un piège. Même je ne peux pas répondre, même pas faire rien. L'époque qui nous peut vivre là, nous ne sommes pas capables de perdre le temps pour nous. Nous avons beaucoup de travail et tu quittes le temps. Continue à causer pasteur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc, nous pouvons étudier là, comment nous faisons connaître nos bonnes capacités spirituelles. D'ailleurs, dans la deuxième partie du sermon, je vous pose exode, comment on est capable de discerner ce qui bon Dieu envie de faire dans la vie. Je suis convaincu que nous tous, bon Dieu, montrez-nous qu'il a envie de faire quelque chose pour nous. Mais nous ne comprenons pas ce qu'il a envie de faire. Moi, pour prendre l'exemple que mon habitué prend, que mon habitué explique, et puis là, moi, pour expliquer, donc, qui faire ça arrive? Qui bon Dieu peut dire ou pour tel signe quand ça arrive dans la vie? Et ce que moi, vous dire là, moi, je ne peux pas prendre ça avec personne, moi, je ne peux pas prendre ça avec Dieu personnellement. Et
on a beaucoup de témoignages pour confirmer ce qu'il m'a dit. Mais laisse-nous continuer avant d'arriver jusqu'à ce point-là. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Les formidables que Dieu les met à haute disposition, à ma disposition, toute connaissance qui m'a besoin. Je ne pas supposé être dans l'ignorance. Si moi j'ai un problème, Dieu est tout le temps disposé pour vraiment connaître ce qu'il m'a besoin de faire, comment m'a besoin de faire pour me sortir vainqueur de ce problème-là. Appelle-lui maladie, appelle-lui problème finance, appelle-lui un obstacle, appelle-lui une adversité, appelle-lui une persécution, dans n'importe quelle situation. Et un don spirituel qui appelle parole de connaissance ou bien discernement des esprits. Bon Dieu pour faire vous comprendre s'il y a un démon derrière au problème. Et pour faire vous connaître donc eh bien, qui vous besoin faire pour ceux qui vainqueur, voyez, dans sa situation-là. Ou capable d'être 10 fois malade, mais vous ne pouvez pas gagner guérison tout le temps de la même façon. Mon frère, ça l'expérience là. Les rien que mon frère, parce qu'il y a un jour où tu es vraiment malade, Dieu dit à moi, prier pour certains. Moi, je prie pour du monde. 11 secondes après, je guéris. Pourtant, moi, crois-moi, le dernier manger, je ne suis pas capable de respirer. Mon figure une vie noire, mon lésion rentre dans le fond. On va connaître qui peut arriver moi. Alors, ce qui m'a arrivé l'air là, prochaine fois que mon rite tombe malade, je commence à prier pour les autres. Non, il n'est pas arrivé. Parce que dans Dieu, l'air là, il donne moi une autre révélation, ce qu'il m'a besoin de faire pour m'être guéri cette fois-ci. Est-ce que je vais comprendre moi là? Je suis content de comme ça, donc tu n'as pas qu'à dire que la clé, ça comme servir ça. À chaque fois, tu faisais richesse, bon Dieu, pour te connaître qui la clé, tu faisais servir ça pour là. Ben, qui peut comprendre moi, dire gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Que le nom de Dieu soit béni. Et quand Dieu donne moi une révélation, je ne suis pas capable de dire à un autre qui qu'un servir ça, il peut marcher pour toi. Ce qui peut marcher pour moi, peut-être il ne peut pas marcher pour vous dans chaque situation-là. Laisse bon Dieu cause avec vous. Je peux comprendre, pasteur. Continue à causer, pasteur. Alléluia. Merci, Seigneur. Dieu. Vous trouvez qui, laissez-moi dire ça comme ça. Vous avez remarqué que Jésus-Christ, très souvent, il fait quelque chose de différent pour les guérir du monde. N'est-ce pas vrai? Avec un aveugle, Jean chapitre 9, il fait la boule, il met de ce lisier. Mais il n'est pas fait ça en tout temps. Dans l'autre circonstance, il prend l'aveugle, il amène en dehors la ville. C'est vrai, c'est pas vrai? Amen, amen, amen. Dire avec moi, vous prenez le temps pour demander bon Dieu une parole de sagesse. Une parole de sagesse veut dire Dieu cause avec vous. La sagesse veut dire vous connaissez ce que vous besoin faire dans bonne situation pour gagner la victoire. Amen, 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 amen. Dieu est tout le temps disposé pour montrer où si mes sorties. Amen, amen. Ne pas dire il est mauvais ou elle demande conseil. Vous voyez? Mais au cas de dire, hey, tu connais ce problème-là, qui te croit mon cas à faire? Dis-moi là, les cas contents ou bonne intention, mais les cas disent ou quelque chose selon la chair. La plupart du temps, quand quelqu'un a un problème, frère, moi, je ne vais pas répondre à celle-là. Donne-moi 2-3 jours, moi, je prie, je vais te dire bon Dieu dit. Ça, c'est mon habitude, ça. Je ne vais pas vous dire ce qui passe dans la tête. Non, est-ce que cette lame-là, mes frères, mes soeurs? Apprends, reste dans présence, bon Dieu. On pas trop de temps là. Amen, amen. Beaucoup quelque chose prend où les temps. Vous connaissez sa boîte carrée qui coûte toute cette qualité langage là. Faire haut d'acheter toute cette qualité marchandise là. Vous êtes là, mes frères, mes soeurs? Boîte carrée là, c'est télévision. Ah, qui boîte carrée, il veut dire? Télévision. Ah. Lui montrer comment battre, comment tuer, comment cause mentir. Vous êtes là, mes frères, mes soeurs? Et tout ma news qu'il ne faut pas ou écouter. Vous ne pouvez pas dire les mauvais, moi, contre moi, télévision. Il y en a sur l'utilité, vous voyez, mais parfois, moi, l'escritin pendant des jours, parfois, à l'époque, c'est 6 mois, moi, pas prendre les comptes du tout. Maintenant, ou pas appeler Cyril Dimbar, mais faire ce que vous visez faire pour consécration, les nets, les totales, les comment les visez été. Continue à causer, pasteur. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu. Envie portez avec vous
ce que vous visez connaît. Amen, amen, amen. Jamais lui faire plaisir à bon Dieu. Vous voyez, quand ou là, ou dans confusion, ou pas connaît qui vous trempez, qui vous larguez, et l'ennemi peut gagner la victoire, là. Est-ce que vous êtes là, mes frères, mes soeurs? Dieu, donc, eh bien, les comment, il y a un papa. Et oui, si donc, si vous avez des enfants dans détresse, dans malheur, dans difficulté, vous pouvez dire, mais continuez à souffrir, là. Non. Ou pour faire ce qu'il croit, ou pour donner tout conseil qui est bizarre, vous êtes capable de sortir là-dedans. Je dis, on dit gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Dire avec moi les dons spirituels. Je t'ai expliqué hier et aujourd'hui, je m'ai fait expliquer encore qu'il veut dire une capacité spirituelle. La force spirituelle. L'intelligence spirituelle. Amen. Dire avec moi mon pli spirituel. Qui naturel. Laisse-moi expliquer ce que je peux redire. Où est-ce que l'école? J'ai 17 dit où est-ce que l'école là? Où est-ce que l'école? Amen, amen. L'école là, il y a un commencement, il y a une finition. Les sautiers qu'on papa et qu'on maman. Les autres de patre aussi. Hein. Mais c'est une vérité. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Où l'esprit lié éternel? Les sautiers de Dieu. Dire avec moi mon esprit sorti de Dieu. Dire avec moi mon esprit illimité. Maintenant, où les corps importants, où les corps c'est un temple, une habitation, une demeure pour l'esprit. Mais non, ça scelle les corps là, une scelle les corps où il y en a. Une scelle les corps où il y en a. Je te. Mais pourtant, où il y en a, où l'esprit habite dans ça les corps là. Le Saint-Esprit habite dans cette école-là. L'Esprit de Jésus habite dans cette école-là. Dieu le Père habite dans cette école-là. Donc il n'a plus beaucoup l'Esprit en haut qui l'école. Mais ce qui arrive, c'est qu'il nous dépend, l'on nous l'école, nous dépend, l'on nous l'intelligence, et nous ignore, nous étouffe. Ça va un pouvoir spirituel, là, par nos façons de faire. Et ça, lui, très, 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 très mauvais. Vous voyez? Ne vous en mettez l'esprit par devant et nous les corps en deuxième lieu. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Me croire en créole nous dit ça, donc, eh bien, il ne faudrait pas nous mettre calice devant bœuf. Il faudrait nous mettre bœuf devant calice. M'en expliquer bien là. Je ne vais pas répondre. Je ne vais pas arriver, voyez, gloire à Dieu. Vous pouvez comprendre, pasteur. Vous pouvez comprendre, pasteur. Continue à causer, pasteur. Alléluia. Dire avec moi le vrai moi-même. Les sans limite. Les triomphants. Il y a la nature de Dieu. Vous connaissez, il y a peine à défaite dans l'esprit. Où l'esprit n'est pas capable d'être vaincu. Parce qu'il habite de moi très clairement, donc, eh bien, alléluia, par nous, l'esprit, nous triompher du monde. Le monde veut dire le gouvernement de Satan. Satan, ce ban général, ce ban domination, ce ban etc. Voyez, là aussi donc, eh bien, gloire à Dieu, ou plus fort que tout. Ou l'esprit lit lumière. Amen. Ou l'esprit lit fils de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris, moi, mes frères et mes soeurs? Gloire à Dieu, merci Jésus. Alléluia. Écoute ceci, mes frères et mes soeurs. Aucun armée sur la terre, qu'il est britannique, qu'il est américain, qu'il est n'importe qui coalition, n'est pas capable de conquérir le monde entier. Et l'Église est capable de conquérir le monde entier. Jésus-Christ jamais dit avec n'importe qui l'armée, à la guerre et conquérir le monde. Vous voyez, il n'y avait que seule l'Église. Alle partout, presse l'Évangile, faite de toutes les nations des disciples. Imaginez quand tu es fort, nous fort. Quand tu es puissant, nous puissant. Mais nous conduisons, nous timidement. Nous laissons être intimidés par la gazette, par la politique, par on ne connaît quoi. Non, mes frères et mes sœurs, sans arrogance, mais avec une assurance, nous capables de dire nous toujours la tête, jamais la queue. Amen. Nous marchons tous serpents et le banni scorpion. Amen. Vous voyez, il n'y a personne capable de dire, mon cas guérit toute maladie. Mais l'Église est capable de dire, Dieu nous donne le pouvoir pour guérir toutes les maladies. Amen. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Amen. Il n'y a personne qui est capable de dire, nous cap... non, je t'en encore peut faire recherche. J'étais encore peur d'un vaccin pour Covid, etc., etc. Mais vous et moi, Jésus-Christ, c'est une désadianon, mais dans notre pouvoir et l'autorité de guérir toutes les maladies. Alléluia pour toi. Alors l'Église, t'allais là, nous dialyses, bon Dieu, lever l'Église aussi, vous allez lever là.
Amen. Sortir de ton sommeil. Amen. Laisse-nous conquérir. Tout le monde dit gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Écoute ceci, mes frères et mes sœurs. Moi, puis écoutez, pasteur. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et quand nous lisons la Bible, parfois donc, on vient prendre le temps, pas en tout temps, on médite là, ce que la Bible dit. La Bible dit au bon Dieu de nous se penser. Nous avons la pensée de Dieu. C'est ça qui est besoin. Quand on a un problème, n'a pas qu'à cela qui m'a pour faire là. Tu n'es pas capable. Par ta propre intelligence, tu es capable de grandir ton problème. Par ta propre pensée. Par la pensée de Dieu, tu gagnes la solution. On est simplement dire, Seigneur, révèle-moi ta pensée. Moi, ranime cette sa pensée là ou dedans de moi. Pensée de Dieu. Alléluia. Me demande-toi donc, viens fort au-dedans de moi. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. 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 Merci, Seigneur. Mon père, vous avez coup pour expérience. Mon père, ici, donc, eh bien, dire quelque chose parce qu'il paraît joli. Mon père, presse théorie. Mon presse ce qui m'a vu et mon ban l'expérience. Alléluia. Merci, Seigneur. Ou l'esprit que moi, l'esprit, à 100% uni avec mon Dieu. On ne sait pas au réel ce que cela veut dire. Amen, amen. Ah ouais. Ce qui veut dire que même si nous, l'esprit, est capable de faillir, mais tel n'est pas le cas, Dieu jamais il faillit. Alors, Dieu et moi, nous pas qu'à gagner la défaite. Impossible, impossible, impossible. Est-ce qu'il vous connaît qu'il a la Bible Dieu comme ça, mais vous connaît, mais il vaut la peine de mourir Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je vous cite la traduction Passion Translation avec vous. Il dit à nous faire mort avec Christ. Mais en anglais, il n'est pas dit à mort. Vous voyez, nous faisons co-crucifiés avec Christ. Nous faisons co-enterrés avec Christ. Nous faisons co-ressuscités avec Christ. Nous faisons co-entraînés avec Jésus-Christ. Le mot co veut dire ensemble. Un seul. Tous les deux nous faisons un seul là. Dans les cieux, bon Dieu. Quand Jésus-Christ chale la croix, où chale la croix. Quand Jésus-Christ chale le tombeau, où chale le tombeau. Et même il y a une traduction, il y a un verset, donc il dit comme ça, nous mourons contre la maladie. Alléluia. Maintenant, moi, tu cites ça, avant, moi, découvrir ce verset-là. Moi, je sa pensée, il y a tort. Un quelqu'un, donc, il me traduit ça, pareil que moi, je me confesse, dire avec moi, mon mort à la maladie. Mon finit ressuscité pour vivre dans la santé. Mon mort à la défaite, à la faillite. Mon ressuscité pour vivre dans la victoire, dans la réussite. Amen. 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 Un Dieu frère, vous connaissez donc aujourd'hui, mon tombé cette fois. Eh bien, gloire à Dieu, le monde te continue, confesse ta victoire. Te retrouve-toi, arrête de faillir et commence à réussir. Amen. 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 Tout le monde dit gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Dire avec moi donc, mon 100% uni avec Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni, béni, béni. N'est-ce pas formidable? Vous connaissez quand Satan dit tout le monde? C'est vrai, c'est pas vrai? Amen. Je suis très content, donc, eh bien, ça passe ça dans l'Ancien Testament. La Bible dit comme ça, quand ben nation, habitant de Jéricho et les autres nations, tandis que les enfants d'Israël, ils n'écoutent le Jourdain, ils ont courage fondé. Votre courage fonne. Comment ça vient fonne? Vous voyez comment ça vient fonne? C'est normal. Un peuple n'est que debout donc devant la rivière là, écarté tout seul. Il n'est pas fiction, hein? Les réalités, ça. Vous voyez? Inadéquat pour ben la guimper là. Votre courage fonne. Votre courage fonne. Le moment où naît de nouveau, Satan se courage fonne vis-à-vis de vous. Maintenant, si les récits embêtent toi, ton courage capable de faune, vous voyez. Mais si tu comprends ce que Dieu veut faire avec toi, ce courage vient faune. Dire avec moi mon mot. Quant au manquement, dette et pauvreté, mon ressuscité, pour une vie abondante, une vie de richesse. Amen, amen. Il est très important qu'ils réalisent ça, mes frères et mes soeurs. Très, très, très important qu'ils réalisent ça. Merci Seigneur. Alléluia. Eh bien, où tout connaît donc en Dieu t'y crée nos grands-pères, nos grands-mères, Adam et Ève. La Bible dit nous comme ça, donc, eh bien, Dieu t'y soufflait en Adam une partie de lui-même.
dans une traduction, ils mettent un esprit de vie, pas une traduction qu'il faut lire. Non, ce n'est pas un esprit, c'est l'esprit de vie, parce qu'il y en a un seul esprit de vie. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre, mes frères et mes sœurs? Amen. 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 Il paraît que moi, il y a une seule mesure de foi, une seule la foi, un seul baptême, un seul Seigneur, et un seul esprit de vie, c'est le Saint-Esprit. Imaginons maintenant, donc, vous voyez, si par exemple, me prend de l'eau qu'il a dedans, et me verse un peu là-dedans, il est capable d'une sens récipient, mais c'est même de l'eau. Même panier. Même water. Vous avez compris moi là? Amen, amen, amen. C'est-à-dire, il y en a même propriété. Ce que vous êtes capable de faire avec ça de l'eau là-dedans là, ou vous êtes capable de faire avec ça de l'eau là-dedans là. C'est vrai, c'est pas vrai? Il peut y avoir même goût. Même l'effet, même l'apparence, c'est-à-dire quand Dieu déverse en nous lui-même, nous gagnons la capacité de Dieu. Mes frères, mes soeurs, n'ont pas pensé à dire comme un langage religieux, papa. Mon père prophète de malheur, mais pour un moment plus difficile qui peut venir, affirme toute la foi. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Est-ce que je te l'aime là, mes frères, mes soeurs? Vous dites, est-ce que je te l'aime là? Alléluia, que le nom de Dieu soit béni. Adam, maintenant, donc, en désobéissant, hein, l'inmort, cela veut dire hein, l'inséparé de Dieu. Plus grand miracle qu'ils vont Dieu faire, c'est pas écorcher la mer rouge, c'est pas créer ce qu'il a créé. Plus grand miracle qu'il vient faire, c'est ressusciter Jésus-Christ et en même temps, il ressuscite nous l'esprit. Pour exactement, exactement, exactement même puissance, Dieu il ressuscite nous l'esprit. Amen. Au fait, dans Colossiens chapitre 2, mon oublié qui traduction donc et bien ça, nous partage la résurrection de Christ par la foi. Nous n'avons la vie de résurrection par la foi. Si moi en vie trouve la puissance de la résurrection manifestée, mon besoin croire là-dedans. Croire, alléluia, dans le Seigneur. Dire celui qui était en Christ, il y a une nouvelle créature. Dire avec moi nouvelle créature. Mais nous n'interprétons ça comme ça, nous avons une nouvelle religion. Moi, j'ai un nouveau pasteur. Longtemps, moi, j'ai un père un tel, pandit un tel, maoulana un tel. Maintenant, moi, j'ai un pasteur Cyril. Non. Il va faire que vous êtes un nouveau pasteur. Longtemps, donc, moi, j'ai dans tel temple. Maintenant, moi, j'ai dans la salle LVD. Longtemps, moi, j'ai pu chanter Ave Maria. À ce moment-là, moi, j'ai Jésus-Christ, c'est Seigneur. Tout cela n'est pas vrai, vous voyez. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'en vérité, on est une nouvelle créature. La Bible dit nous, une espèce qui jamais fini d'exister avant. La Bible dit nous tellement merveilleux qui m'annonce et joue tout ciné. Tu n'as discoporté dans le ciel. Plus que ce que vous trouvez peut passer ici là. Quand quelqu'un qui dit il danse comme ça, je te bouge, vous il y a un mot qui dit si tu n'as pas dansé devant Dieu, tu vous danses tout pis avec Satan. Vous connaissez ça bien danse tout pis. Je ne pas connaître ça bien tout pis. Tu connais ça, tout pis, toi? Amen, amen, amen. Vous voyez? Est-ce que je te l'aime là, mes frères, mes soeurs? Hallelujah, que le nom de Dieu soit béni. Si tu ne pas rier devant Dieu, tu pourrais résonner avec ça. Vous connaissez ça, bien résonne? Je ne vais pas dire résonne, je vais dire résonne. Amen. Hein? C'est-à-dire te coder avec douleur. Vous voyez? Volontairement, je vais sauter devant Dieu. Moi, pour faire comme à David, c'est vrai, c'est pas vrai. Maintenant, il y a un chrétien, je te sentais ça. Quand l'Esprit dédié assis en moi, je danse comme David. Je danse comme David. Je sente comme David. Eh bien, pour chanter là, je te sentais même. Mais quand je t'arrive ça, couplé codia, quand l'Esprit de Dieu, je danse comme David, je danse fixe. J'ai dansé comme David. Qui te dansait comme ça? Cabri danse plus bien que toi. Amen. J'ai dansé comme David. Mon trouvé ça dans les affaires là, moi. Et quand on discute ça dans la réunion pasteur, là, je suis en colère, moi, là. Et nous peut chanter. Non, vous pouvez chanter, vous pouvez dire, vous pouvez danser. Qui ne veut pas danser? La guerre est levée. Dans la réunion pasteur, la guerre est levée. Amen. Quand vous sentez que ça, vous faites ce que vous pouvez chanter. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Amen. Avant de danser, nous peut faire là. C'est un petit entraînement qui nous fait dans le ciel. Là. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen, 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 amen. Vous voyez, du monde danser le stade, ben n'a pas dit non.
je dansais donc l'oxymé. On n'a pas dit non. Danser dans l'église. Oh mon Dieu, mon Dieu. David, tu as le plus loin que ça. L'oxymé, il dansait, mon camarade. Il va ici danser, mais de toutes ses forces. Et non, pas tu dis comme ça, comme ça. Elle dansait comme il y a une slow. Non, 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 non. Et t'as dit, tu dansais sa boucle là. N'est-ce pas vrai? Tu dansais sa boucle là. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Continue de causer, pasteur. Celui qui est en Christ, il y a une nouvelle créature. Ephésiens chapitre 4, verset 23, 24, il dit donc, nous finissons d'être créés à l'image de Christ. Pareil, pareil, pareil. Il s'est dit, même terme. Qu'il dit, c'est donc, et bien, dans Genèse chapitre 1er, quand il dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dire avec moi, nous finissons d'être créés à l'image de Dieu. Nous ressemblons, bon Dieu. Mon papa peut dire oui, non, même l'aîné qui bon Dieu, même l'Isée qui bon Dieu, même CV qui bon Dieu, les pécos ou l'esprit là. Ou l'écho, les ressembler au papa ou maman. Amen, amen, amen. Tout le monde dit gloire à Dieu. Maintenant, mon Dieu ou ceci, mon fait que Dieu ou t'allais là, qui m'ont dit où t'allais là. Qui m'ont dit où t'allais là. Nous plus spirituels que naturels. Ce qui veut dire qu'on a besoin de devenir plus conscient les choses spirituelles de Dieu que les choses naturelles. Très important cela, vous voyez. Mais malheureusement, aujourd'hui, donc, nous entourés avec ceux qui nous entouraient, vous voyez, nous bombardés avec ben, l'information, les médias, toute cette qualité, là, vous voyez. Je tiens à remarquer donc eh bien, que mon épris, donc, mon parquet, je vais mettre mon aîné un peu là-dedans, donc, beaucoup de monde docteur là YouTube. Une quantité docteur, une quantité prophète, une quantité apôtre. Je te l'aime là, mes frères, mes sœurs. Ce cas, c'est quelque chose de te raconter. Mais tu peux dire ça dans une réunion mercredi, donc, un kiken qui doctorait ici, il dit à son grand-père, il vit longtemps, très longtemps, parce que tous les grands matins, il est habitué à boire un verre de l'eau. Et le dit maintenant, mon grand-père, il vit très longtemps, parce que tous les grands matins, longtemps, il est boire un verre de l'eau glacée. Qu'est-ce que tu veux croire là-dedans, là? Tu veux comprendre, moi, là? Qu'est-ce que tu veux croire? Le pasteur Bénin, vous voyez, mais tu peux écouter sur l'émission, alors, il invite un docteur. Simona, mais à cause, par respect pour lui, mais on écoute ça. Vous voyez, quand un homme de Dieu causait, lui disait, prêche la parole de Dieu. Elle a donc, eh bien, sa docteur, elle dit, il ne faudrait pas, donc, eh bien, ou tous, dis les gras, là, ouais, dis les entiers, pas tous, non, never, pas tous, s'il vous plaît, pas tous sport là-bas, dis tout, lui donne ce bon réseau. L'émission, ensuite, prochaine 30 minutes, pasteur Bénin, il invite un autre docteur, Sakula. Lui, il dit le contraire. Il dit, bois autant d'il est entier qu'il est bizarre. Il dit, mon fait qu'un kiken dit ça là. Il faut faire. Et l'État te goûte ça, tenez. Vous avez compris, là? Pas connu que tu vous dire. Mais tu la foi dans le bon Dieu. Amen, amen. Amen. Pas, pasteur capable de boire d'il est, je ne pas vous dire tant. Amen, 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 amen. Capable de boire, ça c'est tes affaires. Ceux qui me connaissent, la Bible dit, hein. Tout y est mangé. Amen, 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 amen. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Si elle dort, si moi pas mange quelque chose, c'est pas pour une raison religieuse, c'est parce que moi pas content. Mais moi, la parole, la vie en Christ, n'est pas manger, boire. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Moi, pas pour gagner le temps, rendre ça dans le détail. Là, mes frères, mes camarades dans le monde entier mangent les rats, mangent serpents, mangent porcs, mangent porcs là-bas, mangent chauves-souris, mangent coulées. Parce que je sais pas, vous voyez. Si vous êtes à Madagascar, il y a un pays comme ça, donc vous voyez. Mais vous êtes la foi dans le bon Dieu. Continuez à causer, pasteur. Quand vous boit de l'eau, vous êtes béni. Pas bizarre qu'il était qui moque, il était vital, cristal, mon pâle, patate, etc., etc. Non, non, non. Seigneur, bénisse à des loups là, amen. Alléluia. Mort ou va quoi bagatelle, moi, pas connaître côté sorti, ou boire des loups là-haut. Amen. Gloire à Dieu. Tiens, un pasteur parmi nous, donc, les commence à raconter. Moi, frère, vous connaissez des oignons, il y en a 250 vitamines. Non, moi, pas connaître.
Non, on ne connaît pas. Je dis, frère, il ne faudrait pas tout prêcher ça dans l'église. Liquide-nous y aller. Dieu n'appelle moi pour prêcher ce parole. L'évangile, la croix de Christ. Et non pas donc Matuek Sokarba, Ratalek Sobolo. Non. L'évangile, la parole de Dieu. Pas venir demander-moi conseil sur cette bonne affaire là. Vous pouvez comprendre, pasteur. Moi, je vous pose une question maintenant. Quand est-ce que c'était la dernière fois que vous connaissez qu'appelle vous connaissez, bon, dit une cause avec vous? Pas répondre-moi. Des ans de cela, un an de cela, un mois de cela, c'est trop long ça. Un bon Dieu qui est avec vous, qui causait, qui n'est pas muet d'après ce qu'il nous trouvait hier, où est tous sur la voie. Au besoin donc, eh bien, attendre que bon Dieu cause avec vous, donne-nous quelque chose, fait quelque chose pour vous. Voilà comment, vous voyez, l'épître de Paul aux Colossiens dit à nous comme ça, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Oh, gain les temps. Si moi lire ça là, moi vous cause au moins 20 minutes l'heure là. Que tout l'affection était. Qui a envie plus connaît. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Nous lisez les pas fixer l'homme en quelque chose visible, mais l'homme en quelque chose invisible. Amen, amen, amen. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Nous marchons par la foi et non pas par la vue. Tout cela, libéraux de Dieu, c'est où l'esprit qui vient domine ou l'existence. Mais s'il y en a un verset qui renferme tout, voilà le verset qu'il faut citer maintenant. Romains chapitre 1 verset 8. L'apôtre Paul dit à Dieu, maintenant il dit à lui. On me pose la question, qui fait il pas dire nous, il dit à lui. Parce que les connaît, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a Dieu qui m'a servi par mon esprit. Maintenant, mon besoin fait ça verset là. Hein? Mon besoin efface le nom de Paul. Mon pas dit à Tchelle la vie. Mon besoin dit à moi aussi en mesure de dire. Bon Dieu, moi Cyril, bon Dieu qui m'a servi par mon esprit. Le mot servi veut dire prier, prêcher, donner la dîme, les offrandes, etc. Faire tout donc servir bon Dieu, mon esprit vous est par devant. Vous voyez, très souvent donc, nous servis bon Dieu par nous l'intelligent, nous prenons une décision qui n'est pas bizarre, etc., etc. Il y a Dieu qui m'a adoré, qui m'a servi hein, par mon esprit. Est-ce que vous êtes là, mes frères, mes sœurs? Ok. Mon prêt pour rentrer dans mon dernier partie donc et eh bien de mon message, vous voyez, mais pour me recevoir quelque chose de Dieu, du monde spirituel invisible, mon besoin comprend et connaît que le monde spirituel existait. Vous voyez, parce que malheureusement, nous conscients seulement de quelque chose qui nous trouvait, qui nous tendait, qui nous a touché, qui nous capable de sentir, qui nous a goûté. Voyez, mais il y a un monde spirituel qui existait, voyez, qui peut-être n'est pas conscient. Un l'odeur, il a changé dans 5 minutes. Vous allez croire, quand senti transpiration, tu peux changer l'odeur là, tu vas prendre le bon bain, fini, correct là. D'accord, mes frères, mes sœurs? Ou cas sans ce que vous trouvez, sans ce que vous sentez, sans ce que vous touchez. Vous voyez, on pourrait dire dans le monde visible, merci Seigneur, et le monde invisible maintenant. Il y en a beaucoup quelque chose, l'eau qui vous lisez bien ouvert, et vous capable de prendre cette puissance invisible ou sans quelque chose qui visait sonder. Élisée, le prophète, qui est très 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 conscient qu'il y a un monde invisible existait. Invisible ne veut pas dire inexistant. Invisible veut dire où il n'est pas trouvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas existé. Même dans la nature, il y a quelque chose qui vous pas trouvé, mais existé. L'air que vous respirez. Est-ce qu'il vous trouve l'air que vous respirez? Non. Mais bien sûr, vous sentez, etc. Je dis que même la lumière est invisible. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Un jour, il y a un grand problème, pas pour Élisée, pour le serviteur d'Élisée. L'ennemi est venu pour rendre maïsot pour amener les prisonniers. Le serviteur Élisée paye un père. Il n'y a que nous pour faire Élisée, mon maître. Il n'y a pas de tracas soi. Ban qui est avec nous, c'est en plus grand nombre qui ban qui avec nous. Élisée peut causer un langage qui seulement, qui ken, qui conscient du monde spirituel, est capable de tenir sa langage.
Et il n'est pas besoin d'une petite consolation. Pas besoin de ton père, pas besoin de ton père, pas besoin de ton père. Non, non, non. Là, il dit, bon, laisse-moi sur le type. Seigneur, ouvert ce lisier, vraiment ce lisier ouvert. Et il trouve la réalité du monde spirituel. Il est entouré avec banans par quantité sans qu'il y réalise, sans qu'il y connaît. Amen, 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 amen. Vous voyez? Mon père nécessairement trouve banans comme un bon Dieu expliqué, habillé de telle façon. Mais l'éternel arrive, c'est une question. Les lames ont réalisé que ça va un ange qui n'apparaît pas avec moi là. Je dis, il prend l'apparence d'un homme. C'est ce que la Bible dit à nous. La Bible dit à nous, certains du monde, ils n'accueillent pas un ange sans qu'ils te connaissent. Parce qu'ils te ressemblent du monde souvent. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Mais trouver, pas trouver, tous les grands matins, m'ont confessé qu'ils m'ont dit, finir de l'autre sur un ange. Pour camper autour de moi. Pour la guerre pour moi. Amen, pour protéger moi. Et pour apporter dans mon avis, tout ce de qualité du bien. Amen. Hébreux chapitre 1, verset 14, n'est-ce pas vrai? Akab, les rois d'Israël, ignorant le monde spirituel, une tombe d'un piège, un esprit mensonge peut causer avec lui, à travers 400 prophètes, il n'est pas même connu. Il n'est pas même discerné. Contrairement à Michée, le prophète, un roi chapitre 22, verset 22, Michée dit non, 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 non. C'est un esprit mensonge qui peut cause à toi là, pour détruire toi, pour faire toi mort. Là aussi, donc, Akab n'a pas croire. Vous voyez? Et finalement, il est mort. Pour montrer toute la grande importance qu'on trouve dans le monde spirituel. Maintenant, ça, je vous demande, Johanna, ouvrir ça donc, parce que je peux venir l'or. Allez, je vous cause un peu plus lentement pour plus comprendre. Merci, Jésus. Marc chapitre 5. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Dire avec moi, c'est ce que tu connais. Qui est la force. Une sortie de lui. Maintenant, le mot connaître ici, il est traduit donc environ 17 différentes façons à travers plusieurs traductions. Merci Seigneur. Je peux citer des versions, donc, et bien qui peuvent plier de nous, il y a les percevoir. Percevoir, il ne veut pas dire l'introuvler que ce lisier, mais les ressentir, donc, spirituellement parlant. Et dans l'autre traduction, il mettait donc, justement, les sentir. Dire avec moi sentir. Percevoir. Dire avec moi percevoir. Je peux expliquer maintenant. Ben, quelque chose qui fait, Dieu, il fait une des affaires qu'on désattendait et qui fait bon Dieu faire ça. Mon père n'écoute personne presque l'heure là, vous voyez. Mon père pose bon Dieu question. Et puis, quand ça arrive, on dit, mon pose à Dieu la question. Moi, oui, exactement, ça vient d'arriver. Merci Seigneur. Alors, si c'est que mon Dieu là ou pas d'accord, pas bien vous écrire à moi. Je ne vais pas prendre n'importe quelle discussion. Ma doctrine est bon. Amen. Et vous connaissez quand quelque chose glorifie bon Dieu, il apporte la gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Quand Dieu manifestait, beaucoup, quelque chose capable d'arriver. Et pas tout le monde gagne même l'expérience. Mais ou besoin apprendre, interprète ou l'expérience. Qui fait bon Dieu ne fera? Qui lui peut dire moi, qui lui peut faire? L'exemple. Quand on reste dans la présence de bon Dieu, laissez-moi expliquer ça avant. La Bible vient nous comme ça, donc, nous avons un sens spirituel besoin d'être exercé. En anglais, il dit besoin d'être actif. Besoin d'être en action. Dire avec moi sens spirituel. Comment vous connaissez, nous avons un sens normal, nous trouver, nous tendre, nous respirer, nous sentir, nous goûter, nous toucher. Mais où l'esprit aussi trouver. Où l'esprit tendait, où l'esprit capable de sentir, capable de goûter et capable de toucher. Bon, pas pour rentrer dans tout, donc, eh bien, pour rentrer l'eau N ou D. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Jésus-Christ maintenant, avant qu'il me vienne le premier point, il te repose ce bon disciple. N'a lisé, je n'ai pas trouvé. N'a oreille, je n'ai pas tendé. Est-ce qu'il peut qu'on lisait normal là? Non. Je te lisais, tu trouvais, manque du pain. Je te oreille, une tannée cause pharisien avec Hérode. Donc, les autres lisaient, les autres oreilles.
Est-ce que vous êtes en moi? Lié ou la Bible, mon camarade? Alors, donc, vous dites ça l'intention de ceux donc, bien, qui pas trop d'autres faits venir dans l'église. Pas plus qu'autre qui donc fait un an, deux ans, pas encore comme ça. Vous voyez? Donc, comme ça, sentez longtemps là, shame on you. On va vous expliquer ça. Mais oui, ça, c'est une chose. Un an, tu lis la Bible, tu n'as pas encore trouvé ça, t'as? Amen. Et pourtant, tu comptes tout ce qui est passé sur YouTube? Les matchs avec Sokarba? Etc., etc. Hein? La Bible dit, comment dire, une lettre d'amour qui bon Dieu écrit à toi. Que tu peux arriver si ton pied, ton pointé, ton mine, ou bien pas connu, écrit à toi. Et un an après, tu n'as pas encore lié les lames là. Et puis, tu vous sentez, oui, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Non. Il y a des gens qui ne sont pas à cause de mentir. Tu es même avec bon Dieu. Amen. Aïe, pasteur, dis à gloire à Dieu, mon pays, toi. Amen. Continue à causer. Pasteur. Amen. Vous voyez? Non, ce que tu as rêvé, c'est que Jésus-Christ lui dit avec maintenant, fais bien attention concernant les vins pharisiens avec les vins Hérode. Maintenant, il cause les vins, maintenant, il croit du pain. Ça croit que tu as une seule du pain. Pas même de pyro. Maintenant, donc, crois-moi, mon Dieu, toi. Vous connaissez, il y a un grand manger dans la salle. Mais c'est un disciple qui est grand manger. Un du pain pour très du monde, de dire, à quoi nous pénons, c'est du pain, à cause, ça ne lui peut dire ça. Est-ce que tu dis, on va péter du pain là? Qui fait bizarre raisonner, qui se peinard. Dans les oreilles, je ne pas tendre, dans les lisées, pas trop clair. Libéco, aux oreilles spirituelles et lisées spirituelles. Est-ce que vous croyez pour nous en chaque fois, je prêche la parole de Dieu, je dis, oh, répétez, mon lisez vous trop clair, les oreilles, pour tendre, les cœurs, vous comprenez. Mais si vous faites ça, juste mercredi, et juste dimanche, je vais vous beau bassin là, eh bien, on pirate 5 jours par semaine. Tous les grands matins, vous avez ça. Qui peut arriver là, ou pour plus comprendre, ou pour plus trouver, ou pour plus tendre. Amen. Et quand on plus comprend, on gagne la connaissance. Quand on plus comprend, on peut détruire l'ignorance. Tout le monde dit gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bon. Ou dans la présence de Dieu. Parfois, les cas aussi, vous voyez, il arrive assez rarement, mais la plupart du temps dans la présence de Dieu, où sont-ils une la paix extraordinaire. Dis avec moi une la paix extraordinaire. Encore un coup. Oui, comme si je dirais, on rentre dans une dimension, même si tu as envie de prendre tracas ou pas de prendre tracas. Même si tu as envie de grimper ou pas de grimper. Maintenant, il ne faut pas avoir envie de grimper, il ne faut pas avoir envie de prendre tracas. Qui Dieu peut te faire là? Il peut te causer avec toi. Parce que si on a peine à cette paix, il est difficile pourtant d'avoir bon Dieu. Maintenant, mon père, c'est mon expérience, moi. À chaque fois que je reconnais cette paix, je réalise cette paix, là Dieu peut révéler moi quelque chose, et vous dire moi quelque chose. Pour moi-même personnellement, ou pour le pays, ou pour le peuple, enfin, lui vous dire moi quelque chose. Dire avec moi la paix, et la joie. Amen. Voyez, et étant lui fini cause avec vous maintenant, étant fini, écoute-lui, la paix là, lui plus grandit ça vous là. Ou exploser de joie. La paix de Dieu. Est-ce que tu comprends moi là? Laisse-moi répéter. Ou dans la présence de bon Dieu, merci Seigneur, ou sentir la paix extraordinaire. Hein? Maintenant, où il y a un niveau de paix en tout temps. Mais il y a plusieurs niveaux de paix. Parce que la Bible dit à moi, la paix de Dieu l'y multiplié, l'y amplifié. Alors, où sentir la paix la grandir dans l'équerre? Alléluia, merci Seigneur, l'y faire un sourire. Il provoque un sourire en vous. Dieu cause avec vous. L'état l'infini cause avec vous, donc, vous connaissez l'infini cause avec vous, la paix là, elle est plus grandie encore. Mais c'est quoi de plus content? Gloire à Dieu, merci Jésus. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Deuxièmement, ou dans la présence de bon Dieu, tout d'un coup, malgré un adjuvant des hauts, les chiens peuvent zapper. Les hommes peuvent crier, voisins peuvent mettre radio fort, moi pas connais quoi. Silence complet. Comme tu dirais, courant une coupée, la terre n'arrête de tourner, c'est un silence complet. Est-ce que je peux comprendre moi là? Vous voyez? Un silence. Qui est arrivé là? Merci Seigneur. Dieu a envie d'une communion avec vous. Il est un peu pareil comme il a envie de causer avec vous, mais il est différent. Une communion, c'est un partage.
Quand il cousait, c'était un message. On prie, vous allez comprendre, mon corps, vous allez comprendre. Si vous ne pas comprendre ce soir, ou acheter le DVD là, ou écouter, et si le DVD là riait, il mal joué après 3 mois, ou réacheter encore, ou écouter encore, vous seriez là. Parce que quand bon Dieu cause avec vous, mon frère, amen, 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 vous n'avez pas besoin d'écrire ça, d'écrire ça, d'écrire ça, non, 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 vous gagnez une réponse. Tout ce que vous avez envie, c'est ou qu'on écoute la voix de bon Dieu, ou qu'on reçoit de la part de Dieu. Donc, ou dans la présence de bon Dieu, merci Seigneur, silence, vous voyez, comme si je dirais tout un là. Malgré les chiens là, puis continuez à paix, mais vous ne pouvez pas attendre où. Voisin là, puis encore mettre sur radio, mais vous ne pouvez pas attendre où. Parce que le Seigneur, dans sa présence, lui ferme aux oreilles naturelles pour lui ouvrir aux oreilles spirituelles. On coupe avec le monde ou en contact direct avec Dieu là. Dire avec moi une partage. Premier là, donc, moi, c'est un message de cause avec vous. Merci Seigneur. Il est déjà joli. Deuxième là, c'est un partage. Une augmentation dans l'onction. C'est vrai, c'est pas vrai. Une plus grande responsabilité. En tout cas, donc, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Vous voyez, c'est une communion. Amen, amen. Jésus-Christ prend ce qui est à lui et lui donne nous ça. La Bible même dit nous comme ça, le Saint-Esprit pour prendre de ce qui est à Jésus et l'époux de nous ça. Et quand ça peut arriver? Parce que mon Dieu, là. Maintenant, vous pourrez commander nous ceci. Quand on doit présenter le bon Dieu, n'a pas presse-pressé là. Amen. Et là, chrétien, donc, donnez-moi, vous priez vite, vite en langue pour les là, allez vite. Tu pries lentement, tu pries vite, 10 minutes, c'est 10 minutes. Vous priez vite. 5 minutes même. 5 minutes, mais encore. Et quand tu pries en langue vite, les là, tu montes pour galoper. N'a pas dit à mon pasteur, hein, n'a pas dit ça, n'a pas dit ça. Ton pasteur est très sage. Tu dis, on dit gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bon. Ce qui m'a dit là, donc, il est arrivé normalement. Il va arriver quand tu sais que bon Dieu, mais normalement, demande réunion, donc. Vous sentez un salaire. Il y a avec moi un salaire. Encore un coup. Vous voyez un salaire qui porte où tous les corps. Vous connaissez le Saint-Esprit, donc, c'est lui être comparé comme le feu. On va trop tant d'autres. Il y a une indication que bon Dieu a envie de faire l'opération au-dedans de vous. Soit dans une âme, soit peut-être dans l'écho, dis avec moi l'opération. L'opération veut dire enlève ce qui ne faudrait pas continuer à exister. Amen. Quand on voit le code dentiste, donc il fait l'opération, donc il enlève ça, les dents, donc il peut faire au code à soi-là. Amen. Zangin malade les dents. Son mari pique sur les dents. Moi, arrête-la. Ne va pas comme ça, Zod. Hein? Tu comme ça, toi, frère Gérard? Hein? Pas sans ça, hein? Gloire à Dieu, merci. Sans quand tu castes là. Dire avec moi une opération. Alléluia. Merci, Jésus. Une autre expérience, donc, capable arrive-vous. Les capables arrive-vous la case. Comme elle dit capable, donc, eh bien, arrive-vous. Merci, Seigneur, dans l'église, dans une réunion. Ou senti dès l'eau tombe l'eau. Dis avec moi dès l'eau. Soit. Donc, l'idée, soit la pluie, ça donc on peut nager dans de l'eau. Il y a une indication donc que bon Dieu peut laver, il a envie de purifier vous, et il a envie de satisfaire vous. Dis avec moi, satisfaire-moi. Vous voyez, où la joie, les visions complètes, où la paix, les visions complètes. Mais très souvent donc, spirituellement, nous commandons quelqu'un qui mange à moitié vente, et ne boit à moitié vente, vous voyez, mais nos besoins. Spirituellement parlant, nous l'estomac bien rempli. Le somme dit au rassasiez-moi de ta présence. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen, 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 amen. Vous voyez, il dit ça dans une traduction. Vous voyez, rassasiez-moi donc de ta présence. Tout le monde dit gloire à Dieu. Donc, quand, comme tu dirais, vous sentez la pluie et tombe l'eau, vous voyez, vous guettez donc, eh bien, ou restez sec même, mais vous continuez à sentir la pluie et tombe l'eau. Amen. Ou bien, vous lipiez dans de l'eau. Vous voyez, quelque chose comme ça, donc. Parfois, quand tu as tapage de la pluie là aussi, tapage mouvement de l'eau là, merci Seigneur, Dieu a envie de purifier toi là. Lave-toi un peu. Purifie-toi un peu. Satisfais-toi bien. Tout le monde dit gloire à Dieu.
Numéro 4, numéro 5, nous vous êtes là. Vous êtes là même là? Numéro 5. Gloire à Dieu, merci Jésus. Amen. Garde avec moi, chanter en esprit. Maintenant, pas chanter en langue, chanter en esprit. Et il y a une grande différence. Chanter en langue veut dire, hein, ou prendre un cantique que vous connaissez, ou qu'une mélodie là, ou qu'on sur la musique, ou ne mettez pas aller en langue là-dedans. Ou bien on prend un cantique qui va dire, ou ne mettez pas une parole en langue là-dedans. Mais il y a une, chanter en esprit veut dire, Dieu de nous, la musique là, et les paroles aussi. Amen, 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 amen. La Bible dit, nous disons, chante en esprit. 1 Corinthiens 14 qui dit, moi vous chante avec mon intelligence, moi vous chante aussi en esprit. Qu'arrivez quand vous pouvez chanter en esprit? Voilà ce que moi je comprends donc, si vous avez une autre opinion, qui est en lien avec la parole de Dieu, moi pas pour en désaccord avec vous, vous voyez, merci Seigneur, cela veut dire qui? Vous pouvez chanter ensemble avec Banonce, qui peut chanter en langue avec eux. Et parfois, l'hypen arrive moi dans tous les cas, mon désattend, l'état moi puis chante en esprit, moi pas tant de me toucher le sentier, ça vous là. Moi, tu as un groupe du monde qui peut chanter ensemble avec moi. La grande différence, c'est que moi, la voix humaine, mais maintenant, je te la vois extraordinairement jolie. Amen, amen. La peine à la voix béfèque, là. Ni la voix crapaud. Dépasse rossignol. Amen, amen. N'a peine ni Tino Rossini, ni Tony Risso. Non. Vous voyez, amen, amen. Dépasse ban plateur, tout. Vous voyez. Dépasse only you. Vous êtes même là? Amen, 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 amen. Non, mon. Mon professeur vient un peu humoristique, mais il y a une réalité là-dedans. Au fait, donc, en deux ou trois fois, donc, eh bien, l'une des arts révélées, tant que je chante en esprit, moi, tant de balance, mon préfet arrête de chanter, moi, écoute, je te chante. Super, 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 super. Une atmosphère extraordinaire. Tu dis, on dit gloire à Dieu? Alléluia. Maintenant, l'ICA va arriver aussi, qu'il a où danser en esprit. Maintenant, mon papa vient dans l'église facile. Ou gagne Père Patrick avec sa basse. Ou gagne Benaja Gopol avec sa batterie. Ou gagne David Makocha avec son piano. Qui nous en a encore. Nous en a Andy Don avec sa guitare. Mais il est facile pour bouger. Vous voyez? Non, moi, je veux dire donc, eh bien, ou dort ou la chambre et ou trouve les pieds, etc. Ou tout, puis tout en rond. Merci Seigneur. Eh bien, pour moi, cela veut dire, moi, je peux célébrer une victoire contre l'adversaire. Amen, amen, amen. Donc, vous pouvez interpréter qui fait bon Dieu, qui fait sa bonne affaire là dans la vie. Est-ce que jusqu'à l'air, mon explique-moi, c'est bien. Amen, 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 amen. Et puis, bien sûr, vous êtes capable de gagner une vision. Vous voyez, cela veut dire vous lisez spirituel ouvert, vous trouvez ce que bon Dieu a envie de vous trouver. Ça, nous pouvons apprendre tout un sermon, minimum 45 minutes pour expliquer ça. Mais laissez-moi vous dire ceci. Vision n'est pas réservée seulement à quelques-uns, elle est réservée à tout le monde. Avec des apôtres, chapitre 2, verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, vous pourrez prendre mon esprit sur toute chair. Ban zenzan pour gagner vision. Ban vieillard pour gagner songe. Quelle est la différence entre vision et rêve? Un rêve, normalement, dans la Bible, il dit vision de la nuit. Rêve, c'est quand donc, eh bien, un rêve, c'est une vision. La seule différence, c'est que vous pouvez dormir, mais il y a une vision, donc, ou conscient, ou à genoux, vous voyez, mais il y a comme un rêve. Ou trouve quelque chose dévoilé devant vous. Tout le monde dit gloire à Dieu. Un autre quelque chose capable d'arriver, donc, c'est que là, ou sous en esprit. Ah, amen, 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 amen. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui est plus comique pour guetter quand il est sous en esprit, c'est Pasteur Roumèche. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Amen, amen. Qui connaît aller les catapendoses là? Amen, 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 amen. Amen, amen. Alléluia. Pas juste lui tout seul. Nous n'avons pas Patrick Makocha, nous n'avons une quantité quand vous souffrez de quelque chose. Alléluia. Amen, amen. Parce que la règle quand il souffre. Oh mon Dieu. En le jour, nous avons là. Alléluia, gloire à Dieu. C'est moi, laissez-moi vous dire ça, divin bon Dieu, là, bon même ça. Qu'arrivez quand bon Dieu sous où les pays, moi, pour moi, à chaque fois, me saouler, le Seigneur lui transforme mon intelligence. Il renouvelle mon intelligence. Il y a une pensée nouvelle. Il y a un poil au la tête, là, disparaît. Mon pensée vient claire. Mon pense librement. Tout le monde dit gloire à Dieu. Et numéro 9, donc, eh bien, ça, je vous dis tout de même, parce qu'on a beaucoup passé les deux dans la salle. Qu'arrivez quand vous sentiez un manteau?
Pour moi, donc, ce manteau veut dire à l'onction pour manifester. Et alors, mon papa, le bandit, mon là pour prier pour autres. Le manteau lui représente le Saint-Esprit. Amen, 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 gloire à Dieu. Et quand vous sentez ça, ça monte là, donc, vous connaissez qui, alléluia, nous pouvons faire le Saint-Esprit content. Et nous pouvons faire le diable en colère. Vous terminez maintenant, regardez ceci. Bon. Et n'est la force quand le peuple de Dieu lit jeûne ensemble. Parce plus beaucoup quelque chose quand nous jeûnons ensemble, qui donc est bien quand. Est-ce que vous avez compris moi là? Je vais donner un exemple. Je te lis dans la Bible, 1 Samuel, le chapitre 19, verset 20. Je te lis la case. Saül puis aller, il n'a aucune intention pour prophétiser. Lisons un groupe prophète. Comment lisons un autre, qu'est-ce qu'il prophétisait? Qui fait l'invite dans ça? L'atmosphère là. Dire avec moi l'atmosphère. Vous connaissez ça, l'atmosphère qu'il y a, il est facile pour chanter en esprit, pour boire du vin, pour danser, pour sentir la pluie tomber. Amen, amen, pour bon Dieu cause avec vous. Amen. Et vous avez une deuxième façon, donc, où vous activez ça, c'est les temps qui kennent, qui déjà peut mouvoir de sa bande, dont la puissance-là impose les mains. À cause de ça même, donc, qui parfois nous impose les mains pour activer en haut, donc, tout ce qui vient manifester dans la vie. Amen, amen, amen. L'apôtre Paul pour dire avec Timothée, donc, qui. Écoute-moi, je suis allé, mon micro. Don donc est bien qui te recevoir par l'imposition de mes mains, ou bien des anciens. N'est-ce pas vrai, mes frères et mes sœurs? Donc, mettez-vous debout ce soir. Alléluia, gloire à Dieu. Montrez bon Dieu qui vous soif. Répétez cette prière avec moi. Alléluia. Seigneur mon Dieu. Mon Dieu, toi merci. Tu peux faire moi plus connaître. Jusqu'à qui point? Ton envie révèle-moi. Ta puissance. Ta habilité. Ta connaissance. Ta bonne pensée. Ta l'intelligence. Mon fin comprend. Qui le côté spirituel. Il est beaucoup plus grand. Beaucoup plus important qui me l'écoute. Alléluia. Et me confesser qui me l'esprit et l'esprit de Dieu. Je suis 100% uni. Alléluia. Moi dis-toi merci Seigneur. Moi aspire à tout bandon spirituel. Moi affectionne-moi aux choses d'en haut. Mon serviteur par mon esprit. Mon envie ressentie. Ta présence. Goûte ta manifestation. Percevoir ce qui ton envie me connaît. Me connaît. M'entourer. Avec ton bon ange. De la gloire. L'y accompagne-moi. Mais me les ressentis. Me les goûter. Vous les toucher dans le monde spirituel. Seigneur mon Dieu, moi tant ça la joie là, ça la paix là, de cause avec moi. Moi l'expérimente, ce silence, afin qu'il me recevoir ce qui est un bout de moi. Alléluia. Moi les ressenti cette chaleur, afin qu'il t'offre toute l'opération qui t'ont envie de faire en moi, de la pluie, de délo, qui se satisfaire moi. Moi les chanter en esprit, ensemble avec mon ange. Moi les danser en esprit, pour célébrer la victoire. Moi les gagner vision et ben rêve. Moi les être sous en esprit, afin qu'ils te renouvellent. Moi l'intelligence, Seigneur mon Dieu, moi ouvert mon équerre pour me recevoir tout.
tout ce que j'ai besoin de recevoir. Alléluia. 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 Laissez que prenez à chacun. Vision, rêve, de l'eau, manteau, la sequere, la brode, les chequere, la brode, gada, 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 dans cette salle, écoute-moi bien, je tout dans la salle là, je trouve bon Dieu tout seul, en la paix, en silence, le manteau, le feu, n'importe quoi que je te connais donc, même d'un petit degré ou bien grand degré, vite par devant, vite par devant, vite par devant, je devine vite par devant, alléluia, d'un petit degré ou bien un grand degré, je devine par devant. Alléluia, rapoko shakabradad. Alléluia, lissé. Mais quand ça va en leader l'aide, carabradada bradagada shakabradagadadada. Lissé que prédéda. Carabrode gadigadidi. La shakabrada, la shakabradagada. Si on a l'intention, venez maintenant même. Maintenant même. Alléluia, exsoit en esprit le manteau de Dieu. Alléluia, la shakabradagada shakabradagada.
Ouais. Dire avec moi le vent de Dieu. Le vent de Dieu. Pasteur Gopol pour souffler maintenant. Et le vent de Dieu pour manifester. C'est là. Alléluia. Ah, c'est là. Il arrive Léa pour nous boire un peu du vin.
arrivé là. Hein? Mon Dieu, la chacapra. L'ombre de Galilée. Gloire à Dieu. Lève-vous, lève-le, pasteur. Ah. Brada gada gada dishi, lisheke brada gada, lo shoko brode gada, lo brode gada brada gada dishi, la brode gada brada dashi, lo brode gada brada gada, lisheke brada gada, li brode gada brada gada, la shaka brada gada gada, la brada gada brada gada. Thank you.
sol. Sol, sol, sol. 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 Alléluia. Alléluia. Plus fort. Alléluia. Alléluia. Pasteur, nous vous priez pour tous les enfants, pour tous les enfants. Nous vous priez pour toute l'équipe. Gloire à Dieu, amen. Donc, rendez-vous demain. Ça n'a pas terminé, Pasteur Clarel. Gloire à Dieu, merci Jésus. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. À demain.